famille, venez venez, l'air est grave. Elliot 13 vous dit que l'air est grave. Hey, Kimi Makoso reçoit plus de 4 millions de faux billets. Parmi les cadeaux de son anniversaire, il y avait beaucoup de gens qui ont envoyé beaucoup d'argent à Kimi Makoso. Mais apparemment, il y a eu de faux billets entre les cadeaux. Hey, est-ce que quelqu'un a même le temps de faire ça à une petite fille comme ça de 20 ans? Quelqu'un comme Kimi Makoso là? Bon, l'intention, c'était quoi? Parmi les analyses des autres gens, c'est le général qui a voulu se faire montrer qu'il a beaucoup d'argent et puis il va offrir les cadeaux, des bouquets d'argent de faux billets. Apparemment, c'est le général qui a fait ça. Est-ce que Kimi était au courant de ça, que c'était les faux billets? Donc, moi, je ne sais même pas. On va suivre les lives des décortiquements des cadeaux. On a dit même qu'il y a des faux cadeaux. Des faux cadeaux, des faux emballages, des faux sacs, mais en emballage d'original. Donc, l'air est grave. La reine des abats était là. Maman Audrey était là. Vous allez suivre. Est-ce que c'est de la jalousie ou quoi? Moi, je me demande, je suis là. Est-ce que vraiment quelqu'un qui est très haineux peut faire ça à quelqu'un d'autre et d'envoyer des faux billets à Kimi Makoso? Hein? Famille, l'heure est grave. On va passer à la vidéo. On ne peut pas passer à la vidéo sans vous saluer. Vous, nos abonnés, le cœur d'Elios 13, le pierre précieuse d'Elios 13. Vous, le cœur, les amours d'Elios 13, on vous salue. N'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes, on vous envoie vos salutations accompagnées des gros bisous. Voilà, on va suivre la vidéo, mais on salue aussi les guetteurs qui étaient là debout depuis l'année passée à nous guetter. On les salue aussi. On salue aussi tout le monde qui sont ici pour la première fois. N'hésitez pas de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de commenter cette vidéo très très gentiment, de ne pas commenter les vidéos à partir du titre, mais d'écouter d'abord les analyses d'Elios 13, le travail des Bic Rouge à la fin de chaque vidéo, et puis vous pouvez commenter. Suivons tous la vidéo. Je suis là, mais je suis pas là. Nos abonnés savent quand Elios 13 dit que je suis là, mais je suis pas là, mais je suis là pour nos abonnés, car je vous aime beaucoup, je vous aime énormément, gravement, grave. Suivons tous la vidéo. Aujourd'hui, il y a eu le Nigeria, il y a les nations, les grandes nations de football, nous sommes dedans. Abonnez-vous à Audrey, et j'ai entendu quelque chose qu'elle a dit aujourd'hui. Quelqu'un qui est riche ne peut pas louer dans son propre pays. Si quelqu'un est en location dans son propre pays, ça veut dire qu'il est extrêmement pauvre. Parce que moi, je suis pauvre, très endetté, mais ma mère n'est pas en location. Donc, la fille n'a pas pu poursuivre les études en Europe. Pourquoi? Tout simplement parce que son père n'a pas pu payer la pension. Parce que pour avoir un visa long séjour en tant qu'étudiant, il faut payer la pension. Son père voulait qu'elle reste ici en Europe avec le visa long séjour. C'est pour ça. Mais il n'y a pas l'argent pour payer la pension. Ici en Europe, où il vit là, c'est dans l'appartement d'une Camerounaise. C'est des gens qui vivent des dons. C'est des handicapés de la nation. C'est des personnes précaires. C'est des gens qui ont faim. Des gens qui ont besoin de... On appelle ça chez nous Alababiala. Abiala. Alababoudi. Les gens qui vivent seulement et extrêmement des dons. Quelqu'un dans son propre pays, oui, quelqu'un dans son propre pays, il n'est pas capable d'avoir un billet pour aller à la CAN. La fille, il a voulu que sa fille vienne ici en Europe parce qu'il essaye de se faire réfugier politique. Il essaye de se faire réfugier politique. Lui, depuis Antana, il avait dit qu'il va produire le cul d'Antana. Il a sa part pour manger. Tu es en location dans ton propre pays.
Oh, mon père n'a pas eu Range Rover, Range Rover, mais l'argent, les billets que vous avez vus le jour de l'anniversaire, c'est l'argent qu'on achète à AliExpress. C'est des billets que les Blancs ont fabriqués pour aller donner l'argent chez les Indiens, les Philippines et les Russes. Moi, j'ai fait l'Asie. J'ai fait 5 pays en Asie. Donc, en Asie, là-bas, on fait des petites maisons et on met les dieux dans les petites maisons là, et on les nourrit avec l'argent. Les billets là, tu payes ça sur eBay, tu payes ça sur Amazon. Ce n'est pas l'argent. Vous-même, vous avez vu l'argent qu'on lui a donné. L'argent là, c'était des billets brillants, brillants, façon. C'est le faux, c'est le carton, c'est le format A4. Ça n'a jamais été l'argent. C'est la marmaille. Quelqu'un peut être riche et avoir un bailleur. Quelqu'un peut être riche et habité dans l'appartement d'une Camerounaise en France. Quelqu'un peut être riche et sa propre soeur. Maalesa a dit ici que c'est sa voiture que son frère conduit quand il est en France. Quelqu'un peut être riche. Vous avez vu le sac qu'on a offert à sa fille, maman a 19 ans reconductible. Ça, quand même, AliExpress aime mieux. AliExpress aime mieux. On dirait que c'est les sacs à main qui ont été fabriqués par le dernier des Chinois, le Chinois. Rennes, ça va. Rennes, ça va. Il y en a 20, puis je ne parle plus si vous n'envoyez pas les cadeaux. Rien ne s'abat, le four est encore très long. Et toi, tu vas venir finir les cours ici, là. Mais tu m'as surpris de dire. Toi, tu veux que j'aille des lèvres, même. Il est riche dans ses rêves, le tout fou. C'est-à-dire que quand il a des habits, trois billets, trois hôtels, et même les billets là, même. Les billets précaires. Rien ne s'abat. Rien ne s'abat. Pardon. Garde l'autre. Si on m'envoie même pour les cadeaux, elle ne parle plus. Elle va même descendre bientôt. Moi, elle n'aime pas les gens qui sont chiches. Pardon, garde le reste. Tu es venu tellement fort. Je dis que l'école encore. On a encore. Lui est de Garba. Là où il est là. Il est quoi? Avec sa taille comme trois pommes couchées. Il chose grande. Il est même complexé. J'y vais la cervelle. Ça va venir gâter le coup. Non, reste, ça va répondre à ma soeur. Toi, tu es trop pressé. Tchai! Non! Non. Moi, j'ai même cru qu'elle allait même écouter. Quand ça va, ça m'a venu avec. Ouais! Ma soeur! Woman King dit que quoi, l'élève aussi doit être chassé de l'école à cause de son intelligence. Je te jure, elle est trop intelligente. Elle est trop intelligente, reine de Saba. Elle est tellement intelligente que non. Ouch! Non. Ça, c'est, on appelle ça élève dépassant parfois le professeur. C'est encore elle qui revient là. Ah, c'est pas elle. Pardon. Ça a été trop fort pour moi. Tu n'as pas vu comment je suis descendu. Ah, non, hey, j'ai fait descendre ma traîne de savoir parce que rien de savoir. Non. Ça, c'est, on appelle ça élève dépassant. Regardez tout ça. Hey, j'ai fui. Tu n'as pas vu comment je suis. Rien de savoir, c'est élève dépassant parfois le professeur. Non, ce n'est pas ça. C'est que Nelly, le cours est encore trop long. C'est que non, j'aime la petite là. Malgré ses habitudes, quand je comprends quelque chose, ça me touche au cœur. Je l'aime vraiment. Non, ça c'est. Rien de savoir, c'est l'élève dépassant parfois son professeur. Non. C'était trop fort. C'est trop fort. Et puis, c'est encore la deuxième chose qui m'a fait des On est ici pour parler de Bad Buzz. La série qui a été écrite par Arcel. Non, reste là-bas. Elle a dépassé. Elle a traversé tout. Et puis, en même temps, tu sais que moi-même, quand je soutenais la reine fait parlé. Toujours de belles analyses très futées. Non, en fait, c'est qu'elle a. Elle a. Comment on appelle? Voilà, merci. C'est qui a écrit cette connerie? Aïe, oui. Rien de sabbat, non. Ça, c'est quelqu'un qui a été d'élèves, ça. Si on a les élèves comme ça, l'école, on arrête l'école une fois.
Et puis, tu sais qu'elle a même... Je ne savais même pas que l'argent, là, n'était pas vrai. Restons concentrés. On appelle, rien de savoir, on appelle ça les élèves génies. Vous savez qu'il y a les élèves génies, non? Qui sont en 9 ans comme ça, l'enfant est à l'université. C'est le genre de rien de savoir là. Donc mieux nous, on reste derrière, on y va pas à pas parce que son école est trop fort pour nous. Tchou! Là, on a encore donné ce soir, j'ai donné ce soir à la type moustique quelque chose à mettre sous la dent. Elles vont encore taper ça même pendant une, deux semaines. Vous allez voir. Agnès seule va faire même 700 vidéos parce que c'est son travail. Ah, on va te faire ceci, on va te faire cela. Jalouse, aigrie, frustrée. Les vieilles femmes comme ça. Ouh, ça va encore chauffer la semaine ci jusqu'à... Je descends, maman. Je descends. Je vais te poser là pour coiffer et suivre. À plus. D'accord. Moi, bientôt, je vais arrêter parce que là, il est 23h. Bientôt, je vais arrêter. Je vais laisser, mais je vais toujours suivre, quoi. Mais c'est que oui, c'est maintenant que je vais bien regarder l'argent, là. J'en dis. Ouais, banaloubaï, vous allez me tuer. Et ça va dire à notre soeur, elle ne sait pas qu'elle est. Parce que ça, c'est élève des passants, parfois le professeur. Non, 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 non. Elle, là, c'est le haut niveau. Et avec elle ne sait pas, chacun a son petit nom. Ou elle est inspirée, elle a ses petits noms. Anyway. Pardon, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Quand on fait un beau live comme ça, moi je leur ai dit, vous êtes en train de m'insulter, moi je suis là pour faire le décryptage. Plus vous allez continuer de m'insulter, le décryptage va continuer. Nous, on a le temps. De la même manière, vous avez votre connexion pour m'insulter, pour former des panels. Moi, je n'ai même pas besoin de panels. Vous avez vu comment je suis. C'est une place. Les tatas, elles sont vraiment venues faire un petit coucou et tout. Moi, c'est une place. Et je vais continuer seulement à... Voilà quoi, à décrypter. Et quand je mets ma caméra pour... décrypter, il y a toujours les gens. Ne vous fiez pas au nombre de personnes que vous voyez en haut là. Non, quand je finis comme ça, TikTok me dit que 8000 personnes sont passées, 10000 sont passées, 15000 sont passées. Voilà. Je me rappelle que quand on fait les trucs, on se retrouve même à 100000 sont passées. Voilà, donc ne vous fiez pas, voilà quoi. C'est qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui écoutent. Plus vous allez continuer à faire des lives, à monter des panels sur moi pour m'insulter, pourtant je ne vous ai rien fait, parce que j'ai fait un petit post de Jamila, nous allons continuer à décrypter. Je vous ai dit que la dernière fois que c'est action-réaction, action-réaction. De la même manière, on a chargé Axel ici-là. De la même manière, nous, on ne va pas charger, mais on va seulement dire la vérité. On va exposer la vérité. Ça sera comme ça, ça ne chauffe pas. Moi, vous savez, quand vous m'insultez, ça glisse sur moi comme une cuillère. Je n'ai pas le temps. Vous allez insulter, parce que quand je fais même mon TikTok, je sors, je reviens seulement quand il faut que je revienne. C'est comme ça. Donc, le reste est là. Plus c'est action-réaction, plus vous allez continuer à m'insulter, plus je vais seulement vous dire ce que je pense. Et ça ne chauffe pas. Personne ne va fuir TikTok. Nous tous, nous sommes sur TikTok. C'est comme ça. Continuez à m'insulter. Continuez à venir me dire, à insulter, frustrer, jalouse, aigrie, tout ce que vous voulez. Je prends ça sur moi. Mais je vais vous montrer que moi, je n'ai pas besoin d'insulter. J'ai juste besoin de poser ma caméra comme ça, là, décrypter. Et vous irez seulement dormir. Voilà. Je suis, tu es mauvaise, qui t'a même insulté. C'est toujours comme ça. Les mêmes. Tu vas aller écrire ça à l'homme, maman. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Je bloque seulement une fois. Tu vas aller écrire ça à l'homme. C'est la vérité et rien que la vérité. Je n'invente rien. Continue à m'insulter. Ça, c'est comme ça. Vous êtes là-bas quand Agnès m'insulte, vous êtes ensemble, non? Vous applaudissez. Quand elle fait les incantations, elle allume les bougies là, vous n'êtes pas là-bas. Vous êtes là-bas, non? Ça sera comme ça. Je vous ai donné un peu ce soir pour mettre sous la dent. Le décryptage continue. Et ça ne chauffe pas. Continuez à faire des panels. Je leur ai dit ça depuis, qu'ils ne peuvent rien créer. Parce que s'ils pouvaient créer quelque chose là,
C'est que quand Corbeau et Aya Robert les a exterminés, là, elles allaient créer quelque chose, elles ne peuvent rien créer. C'est comme ça. Donc, moi, je vais vous montrer que tout le monde a une bouche. Tout le monde peut poser sa caméra et parler et toucher là où ça fait très mal. De la même manière, vous insultez, de la même manière, vous invoquez Dieu en allumant les bougies que mes enfants meurent là. Sachez que mes enfants là, le Dieu que vous invoquez là, c'est le Dieu de tout le monde. Voilà. Le Dieu que vous pensez que Dieu vous appartient là, c'est le Dieu de tout le monde. Moi, je vous ai toujours dit non. Que moi-même, j'ai été orpheline à 13 ans. J'ai perdu ma mère, perdu mes parents, les deux, à 13 ans. Donc, arrêtez un peu de vouloir, oh machin, on n'en a rien à foutre. Rien à foutre. La femme de Sadio Mané à quel âge? 18 ans. Épouse d'un footballeur international. Donc, arrêtez de nous casser la tête. Vous avez dit que je suis une vieille, on est des vieilles frustrées, on est des machins et tout. J'ai tout accepté. Voilà. Même dans ces parties intimes. Les parties intimes de qui? La veille. Je comprends pas ce que tu dis. Quand vous insultez, ça vous plaît. Nous, on a même, moi, je n'ai même pas besoin de vous insulter. Moi, pour moi, là, c'est le décryptage. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est le décryptage. C'est aussi simple que ça. Et rien de plus. Et il y aura toujours les gens qui seront là pour écouter. Et c'est dans ça, là, à la fin, d'aucuns, là, auront la lanterne bien éclairée. Ça ne chauffe pas, ça ne souffre de rien. Je vous ai donné quelque chose à mettre sous la dent. Vous allez chauffer 2, 3, 4, 5, 6, même si c'est une semaine, même si c'est 2 semaines, vous allez chauffer. Vous allez bien chauffer. Je vais encore sortir comme ça. Pendant, pose ma caméra. C'est comme ça. Vous allez fonctionner dans les injures à 2 balles. Moi, je vais fonctionner dans la vérité. À la fin, on verra qui va gagner. Vous allez continuer à vociférer dans les injures. Vous allez insulter comme vous savez le faire. Moi, je vais continuer dans la vérité. Parce que je n'invente pas l'histoire. Les gens sont tout le monde. Les gens étaient là. Voilà. Faut mettre Aya et Corbeau, maman Audrey. Tu es pressé pour les voix, pour les insultes. Moi, je vous ai dit que les voix qu'on m'envoie en privé, en aucun cas, je ne viendrai mettre sur la toile. Jamais de la vie. Mais je vais me servir de tout ce qui est sur la toile. Voilà. Bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, bon retour à nos pierres précieuses, bon retour à nos abonnés, bon retour aux guetteurs, bon retour aussi à vous qui êtes ici pour la première fois. Donc, n'hésitez pas à vous faire abonner chez Lios 13 pour plus d'histoires et de détails sur notre telenovelas. Voilà. Suivons maintenant la vidéo. Je suis là. Je vais mettre seulement l'extrait des vidéos, des cadeaux de Kimi Makoso. Et décidons, disons tous ensemble, est-ce que c'est vrai? Voici la vidéo. Je suis là. Je vais parler. Je vais faire mon analyse en regardant cette vidéo. Les billets que vous voyez là, est-ce que ça peut être des faux billets? Quelqu'un là, il s'assoit. Ça peut être seulement que les nœuds qui peuvent faire ça. Mais moi, je ne suis pas sûre que quelqu'un ait le temps même de s'asseoir pour faire des cadeaux, des faux billets.
à cette jeune fille Kimi Makoso. Ils disent, les mamans disent même que non, les cadeaux ont été fausses. Elle parlait de là où Kimi restait, de là où son papa restait. Elle parlait. Ok, à un moment donné, il faut calmer tout ça. Il faut éteindre les feux. Comme on a dit au début de notre vidéo, si quelqu'un dépose, il y aura quelqu'un qui va soulever. Alors, c'est quoi dans cette histoire d'entrée même? Est-ce que les mamans là sont parties vérifier les cadeaux que non? Elles ont pris l'argent pour acheter quelque chose et puis là où ils sont partis, on a dit que non, ce sont des faux billets. Est-ce que c'est vrai, ce sont des faux billets? Vous qui êtes ici, je connais qu'il y a plein de gens ici et puis il y a des gens qui savent trop ici. Dites-nous, est-ce que des billets là sont des faux billets? Laissez-nous les commentaires dans les comment section de quoi vous en pensez de cette vidéo des cadeaux de Kimi Makoso. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Mais moi, je pense que ce n'est pas vrai. C'est seulement la haine des autres gens dans leur cœur. Voilà, c'est ce qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci à nos abonnés. Merci à vous qui êtes ici pour la première fois. Abonnez-vous chez Hello Stress. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page. Partagez et surtout commentez-nous cette page très très gentiment. Et vous aussi les guetteurs, pourquoi pas vous faire abonner? Faites de même que les nouveaux venus. Voilà, c'était que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Bisous, bisous à tous. On se voit à la prochaine épisode. Et pour l'instant, on s'est dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.